Donner la parole aux femmes pour coller à l'heure du temps, c'est désormais le credo de la télévision du futur pour leur permettre d'avoir une tribune où elles pourraient s'exprimer aussi clairement que possible et aussi franchement que possible. C'est pour cela que ce premier numéro de Femmes Leaders sera consacré à une personne que la majorité des Gabonais connaît aujourd'hui. Il s'agit de Madame Chantal Miboto, épouse Gondjou, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette première invitation à l'émission Femmes Leaders. Madame Miboto, épouse Gondjou, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc dans ce premier numéro de Femmes Leaders, un numéro qui vous permettra à vous de pouvoir parler à cœur ouvert sur évidemment vos activités aussi bien politiques qu'économiques. Et bien sûr, on touchera un tout petit bout de votre vie en tant que femme gabonaise. Et je m'en vais d'abord vous poser une question. C'est vrai que pour préparer cette émission, vous m'avez envoyé votre curriculum vitae, mais il vous appartient aujourd'hui de le décliner aussi bien que vous le pouvez. Alors, qui est Chantal Miboto? Mais Chantal Niboto est une Gabonaise, née le 3 juin 1962 à Monana, mariée, mère de deux enfants, ayant effectué ses études primaires à Libreville, à l'école publique d'Akébé, secondaire au lycée Léon Bas, puis après en France, ayant obtenu son bac série B, ayant fait des études supérieures en relations internationales, sanctionné par un diplôme d'études supérieures et ensuite un diplôme supérieur de recherche en relations internationales. Et après, j'ai été à l'IAP et j'ai eu mon diplôme de l'IAP en économie internationale. Une tête bien faite alors. Donc, si vous le dites. Et de surcroît, sans oublier, je suis donc au niveau de la fonction publique administrateur économique et financier. Et depuis avril 2008, élue municipale et maire de la commune de Mounana. Maire de la commune de Mounana. Alors certains Gabonais voient en vous une femme suffisante et un peu indifférente. Que leur répondrez-vous? Je vous pose déjà la question, est-ce que vous me trouvez suffisante et indifférente? Bon, à moi, vous avez l'air de quelqu'un de sympathique. Maintenant, répondez aux Gabonais. Ben, écoutez, je pense quand même que les Gabonais m'ont connue à une certaine époque. Suffisante, je ne pense pas l'être. Indifférente non plus, parce que je sais que j'ai quand même une certaine sensibilité qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'inquiéter de ce que deviennent mes compatriotes, essayer de voir comment les choses se passent et ce qui ne va pas. Et cette sensibilité s'est manifestée à plusieurs reprises, parce que j'ai quand même eu à mener des actions sociales au niveau de Libreville. Je prendrai par exemple les différentes nuits de la mode que j'ai dû organiser en 96, 97 et 98. Je pense que c'est aussi ma manière à moi d'être sensible aux cris d'alarme, aux problèmes de mes compatriotes. Mais leur point de vue n'a-t-il pas un lien avec le fait que vous ayez été très proche de feu le président Omar Bongo? On sait quand même qui il était. Moi, je dirais que le président Omar Bongo Ondimba n'était pas quelqu'un de suffisant, c'était plutôt quelqu'un d'humble, quelqu'un d'humble. Et c'était aussi quelqu'un qui était attentif et toujours à l'écoute des autres. C'est pour ça d'ailleurs que pendant toute la durée de sa présidence, nous avons évité des catastrophes politiques parce que tout simplement, il a su être à l'écoute de son peuple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que j'étais à l'école, à son école, comme il a dit, à l'école de la vie, j'ai effectivement appris à ses côtés à avoir cette humilité, à savoir écouter et à être au service des Gabonais. Alors, ces Gabonais qui attendent certainement la prochaine question que je vais vous poser, parce que vous avez dit que vous alliez parler à cœur ouvert. Alors, vous avez été à la fois la compagne et conseiller personnel chargé des missions d'Omar Bongo Ondimba. Alors, quelle était la ligne de démarcation entre le domaine privé et le domaine public de vos rapports? Mais elle était tout simplement claire. Lorsque j'étais à la présidence de la République, j'étais le conseiller du personnel du président de la République. Et puis dans un cadre privé, ben, effectivement, j'étais sa compagne. Les choses étaient claires. C'est vrai que je pouvais me permettre peut-être
d'avoir un avis beaucoup plus appuyé et d'insister sur certains points. Lorsque je me rendais compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, je pouvais me permettre de lui dire certaines vérités que d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Mais au niveau de la présidence de la République, il était le président de la République, moi j'étais son conseiller. Alors, vous étiez son conseiller. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, au cours d'une séance de travail, comment il réagissait, par exemple, aux propositions que vous faisiez, si tout de suite il y adhérait ou il mettait un bémol? Mais s'il était d'accord avec la proposition, il adhérait. S'il n'était pas d'accord, il n'adhérait pas. C'est aussi simple que ça. Le président Bongo, c'était quelqu'un qui avait aimé d'ailleurs dire qui aime bien, châtie bien. Et s'il n'était pas d'accord avec vous, il vous le disait clairement qu'il n'était pas d'accord. S'il adhérait, il vous montrait qu'il adhérait. Et puis, on faisait avancer les dossiers. Alors sur le plan strictement privé, vous avez conçu un enfant avec ce monsieur, un ou deux ou trois? Une fille. Une fille? Une Comment fille. s'appelle-t-elle cette fille? Onaïda Maïcha Bongo Ondimba. Alors, c'est donc cette fille qui a été, il y a quelques semaines, nommée à l'ambassade du Gabon aux États-Unis? Non, pas du tout. Ma fille est née en 1990. Le 18 décembre 1990. Elle va avoir 22 ans le 18 décembre Il n'y a 2012. pas de mal à nommer Elle une est fille de 22 étudiante. ans. Il se trouve tout simplement que le président Omar Bongo Ondimba avait cette manie de donner le même prénom à plusieurs de ses enfants. Et celle dont vous parlez s'appelle Ounaïda. Ah, ou Naïda. Voilà. Et ma fille s'appelle Onaïda Maïcha. Donc il n'est nullement question d'elle. C'est comme vous avez plusieurs enfants du président Omar Bongo Ondimba qui se prénomment Omar. Alors vous avez Omar Denis, vous avez Omar, vous avez Omar et vous avez Omar. Donc comme vous en avez aussi qui se prénomment Audrey. Audrey, alors vous comprenez, non, ce n'est pas du tout ma fille. Alors, en fait, c'était un caprice de ces femmes qui ont fait ces enfants, ou bien c'était celui d'Omar Bongo Ondimba? C'était sa volonté parce que c'est pas moi qui ai choisi le prénom de ma fille, c'est lui-même. Ah. Voilà. Alors, les Gabonais disent que vous avez largement et même gratuitement bénéficié des générosités du système en place pendant plusieurs années, et que apparemment c'est plutôt mesquin de quitter le bateau parce que de quitter la cour parce que le roi est mort. Qu'en dites-vous? Ben, je dirais que les Gabonais ont une mémoire très courte parce que j'ai quitté la présidence de la République en 2000 lorsque je me suis mariée. Et donc depuis 2000, je ne faisais plus du tout partie du système. En 2005, lorsque Zakaria Miboto a créé l'UGDD, j'ai été militante de ce parti jusqu'à ce que ce parti fusionne avec d'autres partis et forme l'Union nationale. Dit que j'ai quitté la cour parce que le roi est mort, je dirais c'est vraiment un mauvais procès d'intention. Mais mieux, je dirais peut-être que ceux qui me condamnent aujourd'hui sont peut-être des personnes qui ne savent pas que je l'ai soutenu et accompagné jusqu'au bout. Je l'ai soutenu et Même accompagné jusqu'au bout. après votre départ de la présidence de la Même République. après mon départ de la présidence de la République, et certains savent très bien que j'ai été jusqu'à l'endroit où il a été enterré, avec ma fille. Donc, c'est vrai que nous avions nos divergences politiques, mais lorsqu'il s'agissait des problèmes personnels ou des problèmes liés à notre fille et tout ça, on savait se retrouver et parler en personne intelligente. Alors, certains de vos détracteurs, très rapidement, vous impliquent dans l'affaire des biens mal acquis, vous, Chantal Miboto. Je dirais que je suis tenté d'y croire au regard un peu d'un certain nombre de biens mobiliers dont vous disposez un peu partout dans le monde, Washington, Guinée équatoriale et peut-être ailleurs. Qu'en dites-vous? Ben, je dirais tout simplement que lorsque je vais revenir à votre précédente question,